téléchargée également de l'implanter. Je pense que la phase assez a eu lieu, elle tourne, elle arrive à laver carrément. Donc, venu ce matin, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil de cercle, c'est de pouvoir donc réceptionner et mettre à disposition donc, de ce CCRM pour que cela puisse être utile pour l'ensemble du CCRM. C'est également un moyen pour dire aussi peut-être merci à nos amis de l'Allier à travers votre commande que nous allons pouvoir donc le transmettre. Donc, peut-être, monsieur le préfet, si vous avez un mot à dire par rapport à cela, ensuite. Quel sentiment vous anime en recevant une machine à laver et bien en amont, je dirais, est-ce qu'une machine à laver était une nécessité pour le centre de référence de l'EFRAF? Merci d'être donc présent pour cette cérémonie, le chef de service de développement social et économie solidaire, le médecin-chef, le président du conseil de cercle, là, les représentants des JIMO, le préfet du cercle Benya Fonke, et pour vous le faire savoir, moi je m'appelle Cheikh Maïgadoura du Saber. Merci encore une fois. Bon, chef, maintenant on peut passer à l'essai. Voilà, voilà, c'est au rivage. Et directement, ça se couvre du savon et de l'eau des aveugles quand tu veux déjà traiter les aveugles. Tu veux faire un essai. J'ouvre ici, je mets les amis de ce cerf. Aussi du savon pour passer à l'essai. Pour faire un essai. La machine, elle prend 11 kg d'avis. Voilà, mais pour mettre 11 kg dans ça, ça va être difficile parce que ça va prendre beaucoup d'avis. Bon, pour le moment, on va mettre quelques-uns pour vous montrer. Même si l'avis est sale, directement quand tu le laves, l'eau part immédiatement par derrière sans toucher l'eau et les avis sont tout propres. Ouais. Bon, maintenant, je vais faire sec aussi. Bon, ça presque sec. Parce que ça enlève toute l'eau qui est sur le tissu. C'est très cher que c'est juste pour étaler seulement. Je vais faire un essai. Normalement, je mets un chasseur de poudre. Sinon, normalement, on va mesurer avec ça. Tu mets au niveau maximum ici. Et après, tu le renverses. Mais juste, je vais faire juste un petit essai. Je ne vais pas prendre trop de temps pour mettre de l'eau des aveugles sur à peu près une quantité aussi qu'on va lui montrer. Si je ne suis pas un spécialiste, voilà. C'est toi qui nous attend. Voilà, normalement, s'il y a beaucoup d'avis, un verre de thé, tu le verses dedans. Ici. Ici. Quand c'est versé, c'est fermé ici. Et après, on referme ici. On le met en marche. Normalement, il y a le temps désigné. Vous voyez, on est à 60 minutes. Si vous voulez, ça c'est 95. Ça c'est à peu près juste quelques minutes, après ça s'arrête. Et ça c'est 20 minutes. Bon, je vais essayer pour 20 minutes, mais on ne va pas prendre tout ce temps, juste pour vous montrer. Après, je vais vous formuler comment faire. On le met au démarrage et on attend. Ça, on a fait la partie ici pour poser les matériels que vous avez avec vous, pour ne pas. Ça n'est pas trop, on a préféré de faire ça. Est-ce que ça consomme beaucoup de ce? Non, bon, normalement pas beaucoup. Mais je n'ai pas 220, demandé à ça. Mais c'est du 220 en fait. C'est du 220. C'est du 220. Voilà, mais toujours ça doit être resté ouvert. Rester ouvert. Toujours l'eau, s'il a besoin, il lui demande. Après, il va dans le désert. On commence à faire. Donc ça va se faire. Et ça descend avec lui. On va tourner à quelques minutes après, on va voir le. Moi,
ça ramène le savon qui est là. Mais il faut que ça reste toujours fermé pour que ça ramène le savon. Bon, on va faire un tour derrière. Et après, quand on revient, on va voir qu'il y a le savon qui commence à mélanger avec. L'eau remplit ça et directement l'eau sort par là pour aller dans le grand puits. Bon, maintenant les saletés ça reste en bas. Si tu veux le désinfecter un jour, tu l'enlèves et tu le désinfectes. Et après, tu enlèves tout ce qui sont les terres qui sont en bas, tu les enlèves. Après, tu le remets à ce moment. Ça, c'est un système qui a été constitué chez eux, même qui nous donne le temps pour faire la même chose sur place ici. C'est pour ça qu'on a mis ça sur place. Je n'ai pas voulu fermer pour vous montrer d'abord comment ça marche. Et après, on va réclamer tout ce qui est là. L'eau, ça vient par là, directement, ça tombe dedans. Quand c'est rempli, c'est immédiatement parti par là et pour remplir le bidon. Voilà. Ici, c'est vraiment des cailloux. C'est des cailloux pour le coup. Non, après ce tuyau là, voilà. Passe par ce petit tuyau. Et ensuite, on a, il le dégage pour, le, dégage pour, ici. Bah, pour le pipeur du lac. Ça va intéresser très longtemps. Oui, parce qu'il y a des pierres et ça va. Ça réchauffe.